Alors, j'ai invité Mylène Lavoie et je me suis dit, je vais toujours inviter. Attends, j'ai pas rendu, il faut que je lise un texte avant. Puis, non, mais ça tombe bien, rousse, elle aussi. Hein? C'est vrai, elle est rousse. Ah, c'est bon, il arrête pas de me vouloir me trouver une blonde ici. Rousse et douce. Mais ça tombe bien parce que le texte, j'ai peur des femmes. T'as raison d'avoir peur. J'ai peur des femmes. Je gémis. Je suis gênée. Je pleure. Je vais faire une erreur. Je voudrais m'enfuir, c'est trop. Je délire. Faux geste. J'aime pas séduire. Je sais pas non plus comment réagir. Puis quand elle l'approche, stupéfaction se concrétise. Je suis bouche bée. J'ai peur des femmes. C'est-tu mon ex qui m'a envahi? Les multitudes de déceptions, ces histoires d'intimidation. La famille, leur histoire, c'est pourtant pas les miennes. Je cherche pas ma mère, me semble. Il paraît que ça que je crains de la trahir. Je crains de la trahir. Je suis même pas capable de le dire en plus. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de la jalousie. Je sais pas comment régler les conflits. J'entoure la force de celle qui crée la vie. Trop de respect depuis toujours, affectant ma confiance. Je tombe en convalescence. J'ai jamais dit oui, moi, dans ma jeunesse. Pourquoi aller niaiser les filles? J'ai peur des femmes. Je parle. Je sens que il y a de quoi qui manque, pareil. C'est pas grave, dans le fond, la vie, ce n'est qu'une expérience. L'humain a la chance de pouvoir faire autre chose que de seulement subsister. Mais mon cœur s'arrache, il se palpite à toute allure, à haute tension. Je suis trop jeune pour faire une crise cardiaque. Y'a de quoi que je comprends pas. Je me sens minable. Je sais pas si c'est parce qu'il est acceptable. Je sais pas ce qui est acceptable. Mais de quoi j'ai peur? J'ai pas le droit, moi, au bonheur. Je me sens pogné. J'ai juste le goût de crever. J'ai peur des femmes. J'ai peur. Je vais me péter la gueule sur la manche. J'ai peur des femmes. Je suis tanné de me dire que ce serait moins pire avoir affronté l'anti-émeute du SPVM dans la face ou bien celle de la SQ dans le cul que de tomber en amour avec l'amour. Mais que moi... La SPVM, ça vaut pas ça. J'ai pas le goût de voir la SQ. Je sais pas comment faut que je fasse. J'en tire ma révérence. Je veux retomber en enfance. Je vais séduire, je pense. Mais l'amour, c'est toute une pente. Même maman... Viens me sauver avant 40! Oh là! Elle me regarde! Elle même me parle! Non! Respire! Respire? Pas dans la... Hey! C'est pas drôle! Pas dans la barre! Je t'assieds chez moi, bien tranquille. Là! Je vais me tenir sur mes deux pieds.
je suis trop grand pour me mettre à la mise à pied. Puis sans elle, à quoi faut-il bon d'exister? Elles sont l'essence de la sensualité. On a tous besoin d'être aimé. Je vais finir par faner. Si j'ai trop peur de voir celle que je trouve si supérieure ou de m'en trouver si inférieure, j'ai peur des femmes, trop semblables. J'aime mieux être écoutée, la sensualité plutôt que la sexualité. Oui! J'ai peur de moi. Alors, Mylène Lavoie. Yes. Après, nous aurons le micro ouvert sauvage et comme il y a beaucoup de monde, vous êtes mieux de vous battre. On est chez Gang Box. Deux pièces de poème. Bon, peux-tu cogner tes bottes? On peut dire There's no place like home. Hein? Ok. There's no place like home. No place? No place like home. Tu no place like home? Ça tombe bien qu'il y ait peur des femmes. Parce que c'est pas un jeu. C'est peur des hommes. C'est pas un jeu avec le gars des vues. Mais certaines femmes, surtout messieurs, je vous comprends d'avoir peur. Parce que si moi-même je suis un homme, j'essaierais de m'en aller. Mais c'est pas toujours possible. Donc, je vais vous...